c'est pas mal le flingue fluo dans le noir. Ouais. T'aurais dû prendre un caractère fluo, quoi, que je sais pas si tu les as. Mais bah, disons que ça se passe pas pour rentrer. Hein. Ouais. Surtout si on est. Il est que par un seul côté. Ouais, bah je te propose un changement de map parce que là, franchement, si c'est toute la partie comme ça. Parce que là, on a déjà mis 4 minutes, on a même pas fini la deuxième. Par contre, les stalkers qui arrivent dans le noir, ça c'est un petit peu plus chiant à repérer. Bon, moi ça reste un peu challenge parce que bon, les stalkers d'habitude, c'est pas trop ce qu'il y a de plus méchant. Ah, ça commence un peu à se bouger, j'ai l'impression. Genre, je sais pas, une bonne map. Siren Blanche, elle est pas trop mal celle-là. Enfin, je sais pas si tu veux changer. Je l'avais essayé une fois, on s'est fait défoncer. Eh, ouais, c'est. Ah, il va me manquer 4$ quoi. Zoa, Samé. Merci. Bon, je te rends ta monnaie, tiens, voilà. Oula. Ouais, je pense qu'il va falloir faire gaffe. D'ailleurs, c'est bizarre que tu ne peux pas niveau 6 à 10. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je crois que j'ai trouvé le spot. Bah en fait c'est là qu'on s'est fait dézinguer nous la dernière fois. C'était pas avec Drouy et c'est avec Tuffy. Ouais, bah c'est vrai que ce spawn là il a l'air de prendre ce spot. Ça a l'air de le tuer parce qu'il tombe sur la tronche et en même temps il pète de tous les côtés quoi. Ouais. Bon, franchement on est qu'à la vague 3, ça reste gérable. Hey. Oh. Viens là toi. Allez. Bon, au pire on va avec ce qu'il fait. Comme ça. Oups. Allez meurs. Je donne un coup de main, tu m'en veux pas. Bon. Non mais c'est que en plus des dégâts qui me font quoi, j'ai pas encore entendu une idée mais je sais. Oh le beau est chaud. Par contre, la double sirène,
ça c'est chiant, c'est de temps en temps quand ils sont bloqués, d'un coup ça se débloque, t'as tous les zombies qui arrivent d'un coup, c'est un peu chiant. One shot. Ouais, c'est une place bien. Ouais, c'est parce bon, qu'en fait il va arriver de dehors là. Il va arriver, Vegas, il va peut-être te coller une roquette, il a l'air d'être parti dans le mauvais sens. Bah il est là. Fais gaffe, roquette. Oh putain, il a bien pressé le sol. Oula, tu le joues. Ah bah d'accord, je l'ai joué. Ah merde, par contre c'est doublé ça. C'était pas bon. Ouais, il arrive. Il vient de se soigner là. Ah d'accord. Attention, il arrive vers toi. Ouais, je sais. Putain, il va péter, je crois. C'est bon ça. Tiens, je lui balance des coups. Surtout qu'ils sont, vachement buggés ici, donc aïe. Oula. Ouais, c'est définitivement pas un moment pour ça. Je suis là avec les chaînes. Bah si tu veux un peu de fric, hein, tiens. Voilà. Du coup, je pense que t'as ce qu'il faut maintenant pour acheter un gun de médic. Il veut pas qu'on soit de côté, je sais pas moi il a perso. Oula, qu'est-ce qu'il fout en haut, c'est con. Watch it, I'm reloading. Ils étaient en train de faire je sais pas quoi en haut. Ils faisaient des choses. Marqué, là. Ouais, alors par contre c'est toi qui es. Hein. Wait up, new man. Putain, mais c'est vraiment un gros spot de... Oula. Bah, le truc c'est qu'on recharge tous les deux en même temps, tu vois, au final ça le fait pas pour côté des... Ah bah j'essaie de faire en sorte qu'on soit en décalé. Et moi j'essaie de faire en sorte qu'elles ferment leur bouche là, parce que la partie dans le vide là pour rien. C'est quoi ce sérieux? Allez là. Ah ouais, par contre il y a massif. En fait t'as tellement d'argent que t'as des bagues. Bah ouais. Dommage. Ah crève hein, voilà. Mange ma grenade. The Hunter a détruit une porte. Oh là là, quel vandale. Le petit voyou. Salut go. Mécréant. Loads of money. Josh, grab it while it's hot. Ça, ça pèse 10 aussi. T'as pas l'impression d'avoir un peu trop d'argent juste comme ça? Ah oui d'accord, tu t'es pris carrément le A12 quoi. Non mais le M32, je sais pas. T'as tellement trop de fric que t'achètes carrément des trucs comme ça là en merde. Attends, j'ai pas acheté le barrette encore. Oh, bien réfléchi. Bah, essaye de pas le rager. De toute façon, en 3 tirs, il est mort. C'est moi ou t'as l'air qu'une pipe en bas là? J'en ai ouais, mais bon, je te. C'est ta pipe qui a pété ou. C'est une de mes pipes. Non, je pense qu'en fait, ils sont. Bon, en fait, je vais tout de suite te dire, il y a tous les gros derrière la porte. Voilà quoi. Il y a le flèche-pente et je pense qu'il y aura... Il y a peut-être un spike aussi. C'est con, j'ai pas mis de pipe à cet endroit là. Non mais bon. De toute façon la porte là elle est ouverte. Hein. Ah bah non, il y a qu'un flèche-pente. Bah là je suis content d'avoir mis ma pipe. Ah du coup tu claques toute ta fortune dans les explosifs quoi. Bah ouais. Tu trouves que c'est une attitude normale ça? Bah ouais. Et encore, je joue pas des mots, sinon je minerais l'intégralité de la map. Flèche-pente.
Ah, y'en a un. Ah oui, on prend. Oula. C'est vrai que j'ai pas la même de faire des strikes à la carabine ou au F14. Je rate un peu de la vie. Ah bon, il a apparu bien loin. Oui, t'as raison, on va la faire. Pourquoi qu'il est pas sur un sort du film? Viens là. Bon, fais gaffe, il balance une roquette là-bas. Allez, tease ta truc là maintenant. Minigun, s'il te plaît. Non. J'aime bien quand je suis en train de me désinguer la machette, hein, par en fait, je crois qu'il est bloqué dans ses clottes, le coup. Viens un peu là où je suis. En fait, tu vois, il est invisible, il est bloqué par les clottes. Tu vois, si tu tires dessus, tu vois qu'il y a des filles qui se barrent. Merci les clottes, vous êtes papa. Allez, fais foutre le camp, c'est gentil. Allez, bon appétit. Putain, ils sont pas morts, quoi. Des clottes anti-explosifs. Pas mal celle-là, pas mal. Mineurs.